remercie M. Benjamin Larue ici présent. Oui. Madame Caroline Marie-Paul Crosfeuil, ici présente. Oui. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je glisse pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin, pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de con, pourvu qu'elle connaisse Cancan Stock et quelques jurons de ad hoc, pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour, pourvu qu'elle digère bien les huîtres, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Bienvenue par le mariage. Aujourd'hui. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, je mets le pleurant. Qu'est-ce bon. Qu'il y a? Ah, on va la faire de l'autre côté. Le standby est arrivé. Il est où? Oui, en fait, de mon temps, on se mariait pas avec des gosses. Hein. On a évolué. Que voulez-vous, hein? Le monde est beau. Thank you.
ça, là. Avec ça? Oui. Bah, le mien, c'est pareil. Elle, c'est bon, merci. Il y a sur YouTube, là. Sans aucune permission. Tu veux la faire une chose de toi? Vous êtes des âmes sœurs, comme je dois l'avouer, je n'en rencontre que peu. Et c'est cela qui fait aujourd'hui que je suis encore plus heureuse de faire ce métier. Et tout cet amour a été concrétisé il y a presque 4 ans avec la naissance d'Hugo. Ce tout petit être qui venait apporter de l'amour et faire de vous une toute nouvelle famille. Donc finalement, après 4 jours, on est rapatriés sur un vol de 14 heures qui nous emmène à Bordeaux. Et là, la SNCF est en grève. Donc on n'a personne pour venir nous chercher, mais en tout cas c'est là que je me suis dit, ben voilà quoi, ouais. Benjamin, c'est bon, elle pourra en tout cas toujours compter, simplement soyez heureux quoi. Voilà. J'ai rencontré en laboratoire en tant que technicienne, c'était notre premier poste à toutes les deux. Donc c'était vraiment... Alors nous n'avons pas envoyé le texte préalablement, de peur d'être censuré. Je vous demanderai à toutes et à tous à peu près 30 à 40 minutes d'attention. C'était au rugby. Je vois un type arriver sur le terrain en fait, pas très grand, un chauve. Hein. Classe par contre, il avait la tenue, hein, toujours impeccable. Il faisait des passes brillées de 20 mètres, ça aussi c'était impeccable. Et je me dis, donc quelques oppositions plus tard, quelques matchs aussi, là j'ai vraiment pris la mesure du monsieur. Il avait des coups de pied de dégagement qui dépassaient rarement 10 mètres. La fameuse maison dans une chambre, vous vous souvenez de toi, tu étais caché avec moi sous un lit. Si, tu étais caché avec moi sous un lit, et pris de peur ou de timidité, ce qui m'étonne de ta part, tu es parti. Donc sur le Keyside, au Mood, au Gate, tes terrains de jeu favoris. La fois où tu avais menacé de mort une personne de petite taille au McDonald's de Big Market. Merci Jaco. Lorsque tu allais commenter les matchs de rugby dans toute la France, pour se retrouver chez Benjamin et mettre en application tes nouvelles directives. Bien justement, et nous sommes posé la question de savoir comment on te voit, toi Benjamin, comment on te voit. Et de manière unanime, nous pensons que toi Benjamin, au-delà d'immenses autres qualités, tu fais partie des gens que l'on peut appeler les gentils, une très belle personne. Ouais, tu fais partie des personnes rares, qui sont gentilles non pas parce qu'elles sont bébêtes ou trop cons, simplement parce qu'elles sont gentilles en fait. D'une gentillesse extrême et sincère, d'une gentillesse gratuite et douce, Benjamin. On a tous besoin d'avoir un jour ou l'autre quelqu'un comme toi en face de soi. Effectivement, Benjamin, ta qualité première, c'est la gentillesse. Cette gentillesse qui nous remonte le moral sur un simple coup de fil ou une soirée partagée avec toi. Cette gentillesse, mais aussi le fait que tu sois sincère, fiable. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin, pourvu qu'on s'échange nos bouquins, pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage, pourvu qu'elle parle à mes copains, pour que ça devienne ensuite une sien, pourvu que son père soit pas sosie de Donald Trump, je vous en supplie, pourvu qu'elle sache qui est le prêtre, pourvu qu'elle vote pas pour la peste, pourvu qu'elle
qu'elle s'entoure d'une écharpe, que je respire avant qu'elle parte. Pourvu qu'elle ait la larme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins, comme il est touchant d'Arossin. Comme il est touchant d'Arossin. Benjamin, il y a 2788 jours, je t'ai rencontré, et depuis, plus rien n'a jamais été comme avant. Tu as été une évidence, et très vite, nous ne sommes plus quittés. Tu as fait entrer dans ma vie des milliers de bonheurs, dont deux merveilleux petits êtres, Hugo et Chloé, et chaque jour avec toi me rend encore plus heureuse. Tu es l'homme parfait et je mesure depuis toutes ces années la chance que j'ai d'avancer à tes côtés. Parce que tu es toujours plein d'attention, parce que tu es positif, drôle et rassurant, parce que tu entoures de tendresse et de force nos enfants, et que tu es le papa dont j'ai toujours rêvé pour eux, pour tout ce que tu es. Je te promets que je serai toujours à tes côtés, aujourd'hui, demain, pour rêver, construire, grandir et vieillir. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je sais que je marche mieux quand ma main sert la tienne. Je t'aime. D'être mon amie, ma confidente, ma colocataire puis ma copropriétaire. Bref, l'épaule sur laquelle je pouvais par moments me reposer. Puis, plus récemment, tu as accepté d'être la maman de mes enfants, de nos enfants. Hugo d'abord, et Chloé ensuite. Deux merveilles que tu m'as offertes et avec lesquelles nous partageons chaque jour toujours plus de bonheur. Il y a un peu plus de 7 ans et demi, donc, nous nous sommes rencontrés. Et depuis à peu près 7 ans et demi, tu me parles de mariage. J'exagère à peine. Alors, pour récompenser ta volonté, mais aussi et surtout pour encore mieux matérialiser notre amour, il y a un an à Florence, là où nous avions passé notre premier week-end de romance, en amoureux, je t'ai demandé si tu souhaitais encore te marier. Et a priori, tu n'as pas longtemps hésité. Ainsi est venu le jour, avec nos familles et nos amis réunis, de célébrer notre amour. Cet amour que l'on fera encore grandir, et grandir encore chaque jour. Je conclurai ce discours par une citation personnelle. Le chemin de l'amour tu as parcouru, pour enfin obtenir le nom de la rue. Regardez-moi tous, s'il vous plaît. Bruce Titi. Attends, reste là. Hugo. Allez, tout le monde.
rajouter dans Mortan. C'est ainsi qu'il a tenu tête à une instite de maternelle dans un exercice avec des pommes et des poires. Il ne voulait pas admettre qu'il s'était trompé. Marron est derrière son dos. Non. Mais que des chevaux, non, Pidou, c'est pas ça! Mais non! Non! 1, 2, 3, 4, 5. Non! Voilà ce que ça donne. Au cours d'anglais, Benjamin dort sur la table. À la prof qui le questionne. How are you? Bah, il répond. Dis-moi Thomas, comment tu t'appelles? Enfin, comment elle s'appelle ta sœur? Je m'appelle Thomas. Ok. Comment s'appellent tes parents? Je m'appelle ma maman, elle s'appelle Gérard et Martin. D'accord, Thomas, tu sais pas. Ont préparé leur petite pièce de théâtre qui retraçait vos vies. Pour un plan à plusieurs. Les deux. Et Caro, ta réponse? T'as pas répondu? Et on attend ta réponse. Personne? Et ben, je sais pas, mais lui, il a un problème de nerfs au niveau des coudes. Mais ces trucs. Allez, on peut les applaudir bien fort. Et à ma mamie Marie qui est partie il y a quelques mois et qui était tout près de moi pendant cette journée. Merci pour tout, mamie. Encore un grand merci à mon mari
qui me supporte et qui me rend la vie si belle. Je t'aime et je vous aime. Pour commencer, je vais improviser, je vais remercier juste le domaine du Coudon et les différents prestataires qui nous ont accompagnés tout au long de la journée, notamment Farid qui est là, voilà, toute la sono, évidemment Audrey sur la cérémonie et tout le personnel du domaine. Ça, c'est en préambule. Et Aurélien, effectivement, pour la technique. Sans qui, peut-être, il n'y aurait pas eu de son ce soir. En tout cas, je ne sais comment vous remercier à tous. Je vais donc essayer à traverser quelques versets. Pour commencer, je souhaite rendre hommage à ma famille, qui m'a sauvé la vie quand ma maladie voulait que la scie, qui m'a accompagné dans les joies, dans les pleurs. Merci à vous, je vous aime du fond du cœur. Je profite de ce couplet pour faire une aparté et ainsi adresser une grande pensée à mamie Fernande qui aurait tant adoré être avec nous ce soir pour boire, rire et chanter. Merci aussi à la belle famille, Paulette, Thomas, Gérard et Martine, qui ne pouvaient pas mieux m'intégrer, même si parfois il a fallu concéder qu'au boule, je laisse gagner. Ensuite, un petit mot pour les amis avec qui j'ai partagé tant de vous. Tente la voix, Gérard Darmon.